Он прекрасно выбрал песню, прекрасно спел. Вот этот человек суперстар. Arsène Mukendi, artiste musicien, compositeur et interprète congolais, évoluant en Russie, qui a livré autant de spectacles à l'étranger. Et c'est une occasion de le découvrir ici et maintenant en live. Imagine crazy, what about say? Take a break. I'm a heaven rule like a ghost face. Really, yeah, like I don't care, baby, by the way. Because I'm alone if you feel like a room right out the roof. Because I'm alone. To do.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des One Acoustic. Je veux déjà présenter mon invité qui est quelqu'un que vous connaissez déjà bien, qui s'identifie dans le milieu russe, mais c'est un Congolais, à qui j'ai dit bonjour, Arsène. Bonjour. Dites-nous Arsène, comment ça se passe la vie? Ça va, la vie musicale, ça va, on se bat, ça va. Les gens disent que vous êtes plus russe que Congolais, c'est vrai? Non, comment je pourrais être russe plus que Congolais? Ça se fait jamais, je suis Congolais, je resterai Congolais jusqu'à la mort. Alors voilà, tu nous parles un peu de ton parcours. Quel est le parcours d'Arsène? Le parcours d'Arsène est très simple. Je suis artiste, musicien, auteur, compositeur, interprète. Et voilà, ça fait beaucoup d'années que je fais ce que je fais. Et voilà, j'adore ce que je fais. On m'identifie souvent par ma voix, mon style de musique et, voilà, et ma personnalité. Et ce qui est étrange, vous venez de chanter Dibwe. C'est bien ça, Dibwe? Oui, Dibwe. Et pourquoi choisir les Tchuluba? Pourquoi chanter un Tchuluba? Non, en fait, l'une des chansons que nous avons chantées, le titre c'est Dibwe. Et déjà, pour ceux qui ne savent pas, Dibwe veut dire La pierre. La pierre, c'est en Luba, une langue nationale de la République démocratique du Congo, voilà. Et je disais, pourquoi le choix de Dibwe? Bon, Dibwe, parce que ça raconte une histoire, et voilà. Et Dibwe veut dire la pierre. J'ai rencontré l'histoire de ma vie, une histoire un peu compliquée, qui a de mélancolisme un peu compliqué, de ma relation avec Dieu, de ma relation avec les gens, de ma relation avec ce que je fais, et voilà. Donc c'est pour cela, cette relation-là, je condensais ça et j'ai appelé ça Dibwe. Oh là là, ouais. C'est fort ça. C'est très fort. Et en vous voyant comme ça, vous n'avez pas l'air de quelqu'un, excusez-moi, c'est pas péjoratif, mais il n'a pas l'air de quelqu'un qui fait le gospel. Vous nous dites le choix du gospel? Non, en fait, c'est le gospel, c'est pas une musique. Je veux pas dire que le gospel, je fais pas du gospel, mais je fais le gospel. Donc moi, je suis un artiste musicien et je chante ce que j'ai chanté et voilà, j'écris ce que j'écris et voilà, j'écris de musique pour d'autres musiciens qui font du gospel et moi, je fais aussi du gospel. Pourquoi pas? J'adore faire le gospel. J'adore chanter le gospel. Ladies and gentlemen, let's take another level of music. Let's go! Tied to the mall, jumped out of bed, put on my best feet, get in my car, race like a jet, all the way to you. Knocking your door with my head, to ask you your question, 'cause I know that you a whole fashion man. Yeah. Can you give me all the daughter for the rest of my life? Say yes, say yes. I need to know. You say I never get you blessed till the day I die. 'Cause I love my friend, but your answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you love you meant to? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Why you gotta be so?
On vient d'écouter Rude. Rude qui est une œuvre d'un groupe américain, Magic, c'est bien ça? Yeah. Et apparemment, vous n'êtes pas trop chez nous. Non, je voulais amener le genre à une autre dimension de la musique. Le groupe Magic, c'est un très grand groupe et voilà, je voulais interpréter leurs chansons. Et c'était un reggae? Ouais. Vous êtes bien défendu en tout cas. Bon, j'adore le reggae. Le reggae, depuis que je suis enfant, et j'adorais le reggae. J'adorais Bob Marley, Lucky Dube. Et... Avez-vous un style approprié? Vous identifiez dans quel style finalement? Bon, moi je suis un peu partout, je touche un peu à tout. Je touche un peu ici. En fait, ma musique, c'est une musique faite de mixte, de mélange. Moi, j'adore le mélange et pour moi, la musique n'est pas seulement... il faut avoir un style approprié pour moi. Il faut, pour moi, je touche un peu à tout. Je fais du jazz, je fais du blues, je fais du reggae, je fais du funk. Tu fais la rumba? J'essaie aussi de faire de la rumba. J'apprends à faire de la rumba. Tu as déjà enregistré une chanson rumba? Bon, je ne l'ai pas encore, mais j'ai déjà une chanson que j'ai écrite. Interpréter une rumba déjà? J'essaie. Je ne suis pas trop fort dans la rumba, mais j'essaie. J'essaie quand même de me défendre parce que je suis congolais. Donc, voilà, aujourd'hui, notre musique est beaucoup plus identifiable à la rumba, au ndombolo, au sebel. Voilà. Donc, j'essaie de faire cette musique. Arsène, vous ne vivez pas à Kinshasa, vous êtes à Moscou. Yeah. Maria, be good to my love. I need you now more than ever.
Je tiens également à rappeler que nous sommes sur B1 Télévision, One Acoustic, depuis Moscou. Et Arsène, vous ne vivez pas à Kinshasa, vous êtes à Moscou. Avez-vous, comment je peux déjà le dire, un projet avec un Congolais, un artiste musicien qui vit là-bas au pays? Vous ne voyez pas que ça peut éventuellement être lié avec ceux qui sont là-bas au pays? Oui, nous avons plusieurs projets avec notamment les musiciens qui m'accompagnent. Ce sont des amis de longue date, on a grandi ensemble. Et voilà, je tiens vraiment à remercier ce grand musicien qui m'accompagne à chaque fois que je viens au pays, à chaque fois que j'ai un projet au pays, à tous mes concerts, il m'accompagne toujours et toujours. Je tiens là à remercier ces musiciens. Là, je vois Nick à la basse, des breaks, Deo à la batterie, je vois Mehdi au piano, je vois Brins Mazo, mon arrangeur, mon producteur de musique, il est à la guitare, je vois Emmanuel à la percussion. Donc voilà, ce sont des très grands musiciens, ce sont des gens, ils ont un talent incroyable et ce sont des musiciens qui m'accompagnent à tout le monde. Y a-t-il une structure qui... avec laquelle tu évolues ou bien... Oui, nous évoluons. Nous avons un projet à Kinshasa, nous avons un projet à la Halle de la Gombe, un peu, je crois bien, le mois qui va venir, peut-être l'année prochaine, voilà, donc cette année, peut-être, je crois bien que nous avons un projet, donc voilà. Alors, nous allons souffler un peu en musique. Nous allons écouter une chanson tirée... Oh, c'est quoi déjà le titre? Looking at me. Regarde-moi. Alors, pourquoi un choix qui n'est pas vraiment lié aux Congolais, je vais dire? Pourquoi le Congolais, je vais m'expliquer. Tu sais, Arsène, chez nous, au pays, nous avons la rumba et actuellement, les jeunes artistes essayent de faire ce qu'on appelle... Afrobeat, le rumba trap. Mais voilà, il y a Dibwe qui est là. Dibwe, c'est déjà à la congolaise. C'est voilà. Pas. Il y a Dibwe, il y a Paris qui sont à la congolaise. Voilà. Donc le Congo n'est pas seulement le monde de la rumba. Le Congo, c'est le monde de la musique. C'est le monde de la musique. Au Congo, tu trouves tout. Tu trouves du funk, tu trouves du blues, tu trouves de l'R&B, tu trouves de la rumba, tu trouves un peu tout, quoi. Mais hein, le Congo, on s'identifie à la rumba. Mais nous, en tant que Congolais, on s'identifie dans la musique. Donc, excellent. Voilà. Alors, on souffle en musique avec Looking at Me. When you look into my eyes, I can see from over here, only you and I. Do you remember the night when we drop from the sky and we run to the forest? Oh baby, you were holding my hand, saying not to let you go. Looking at me,
Russian roulette and I hit my gun. Hallelujah, I ain't dead yet. I still go strong, yeah. I don't know about tomorrow, but I'm piling down. They say losers are forgotten, and I dance my key to bottom. Put my head down on the breeze, let it be.
Alors, tu nous parles de la chanson Paris ? Paris, c'est une histoire de joie, de gaieté. J'étais en Paris en 2016, je me souviens, j'étais allé voir un ami, puis tu le connais. Alors, je passais des très beaux moments à Paris qui sont restés dans ma tête. Et déjà, cette chanson, je l'ai écrite un peu plus longtemps que toutes les chansons que vous allez suivre. Parce que cette chanson, je l'ai écrite directement dans l'avion. J'étais là, j'étais assis, j'ai auditionné. C'est venu souvent comme ça. Paris, on va songer ce soir. Paris, on va danser fort ce soir. Donc, c'était venu comme ça et j'avais adoré le moment que j'avais passé à Paris. C'est pour cela que j'ai écrit après. Voilà, on a été ravis de savoir, je parle de l'équipe One Acoustic, bien sûr, de savoir que vous étiez finaliste à The Voice. Oui. Yeah. Je suis maintenant, pour ne pas dire, je suis finaliste de Voice Russia. 2019. Alors, félicitations. Avez-vous un projet personnel? Ouais, je crée mon album qui va sortir en 2022, vers le mois de juillet ou août 2020. Y a-t-il des invités? Ouais, il y a des invités. Surprise. Surprise? Yeah. Oh là là. Pour le plaisir de ceux qui nous regardent, il y a pas un Congolais? Il y a beaucoup de Congolais. Beaucoup de Congolais. Il y a beaucoup. Il y a que de Congolais. Oh là là. Il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup. On n'aura pas que de Congolais aussi, on aura beaucoup trop de gens, et voilà. Donc il y aura des invités surprises aussi. Nous venons d'écouter la chanson Let It Be. Nous venons d'écouter la chanson Let It Be. Let It Be. Let It Be, voilà. Let It Be, c'est la chanson interprété, l'auteur-compositeur Liebert. C'est un très bon artiste, un très grand talentueux et j'adore sa musique, j'adore ce qu'il fait, c'est pour cela que je voulais... J'ai une question, apparemment, je ne sais pas si c'est une impression qui... En fait, c'est mon impression. Vous êtes plus à l'aise dans le jazz? Bon, je n'ai pas fini ma question. Okay. Vous êtes plus à l'aise quand vous jouez le jazz, le reggae, mais quand il s'agit de la musique de chez nous, vous n'êtes pas vraiment... Vous le faites bien, soyez-en sûrs. Mais vous avez plus beaucoup d'enthousiasme quand il s'agit de jazz, reggae, du classique, par exemple. Non, moi, en fait, je fais toutes sortes de musique. Je suis à l'aise dans toutes les musiques. J'apprends aussi à faire toutes les musiques. Bon, pas toutes, mais... On peut identifier en scène dans quel style. Vous jouez presque tous les styles, mais c'est évident, c'est normal que vous ayez quand même un style... voilà. En fait, moi, je suis un peu dans le funk, je suis dans le blues, donc je suis dans le soul. C'est un peu mon monde, quoi. Voilà, donc on peut facilement m'identifier dans toutes ces musiques-là. Parce que moi, j'ai grandi un peu avec ce genre de musique. Tu vois, moi, j'écoutais, bon, bien sûr que j'écoutais beaucoup du Lokwa Kanza, on écoutait Singula, on écoutait beaucoup trop d'artistes, et j'écoutais beaucoup trop Steve Wonder. Steve Wonder, oui. J'écoutais un peu trop du B.B. King, du Louis Armstrong, du James Brown, du Michael Jackson. Et toutes ces musiques-là un peu influencé ma manière de faire la musique. Et voilà, donc je me sens à l'aise dans ce genre de style, bien que j'adore le style de notre pays. Il y a des productions en vue à Kinshasa? Oui, c'est pour cela que je dis, je crois l'année 2022, je crois, nous avons un projet à Kinshasa et très bientôt,
nous allons communiquer la date de ce projet-là. Bonne chose. Alors, voilà, nous venons d'écouter la chanson Sunshine. Oh là là. Hello Sunshine. Hello Sunshine, c'est une chanson de Bill White, qui est une chanson parmi les plus grandes compositions de la planète. Voilà. Donc, ouais. Toutes les personnes, tout le monde connaît cette chanson. Mais voilà que tu disais, j'ai un peu ajouté une petite touche à cette musique. J'ai un peu ajouté du mutuashi pour que les gens sentent que non. Là où on est, il faut donner aussi de la référence de là où l'on vient. Là où l'on vient, ouais. Voilà. Donc, je suis peut-être à l'aise dans cette musique, mais j'ajoute un peu de chez nous, quoi. J'ajoute un peu du mutuashi, j'ajoute un peu... Parce que le blues, c'est juste une dérivée de mutuashi. Donc, blues et mutuashi, c'est presque la même chose. Oh là là. Donc, ça se mélange un peu, ça donne un peu... J'ai voulu mélanger ça, donner un autre goût de la musique. C'est toujours un plaisir de parler avec vous, de vous recevoir sur nos plateaux, Arsène. Ouais, merci. Un dernier mot, Arsène ? Je salue presque tout le monde. Merci de One Acoustic de se déplacer pour venir jusqu'ici pour faire cette émission. Et je salue One Acoustic. Je salue toutes les personnes qui nous suivent. Je salue bien sûr ma famille, ma mère. Voilà. Je salue tous mes amis. Et je salue tous les musiciens qui m'ont accompagné durant. À cette émission de One Acoustic, je vois Nick à la basse, je vois Manzo à la guitare, je vois Benny au piano, je vois Debrek, Deo à la batterie, je vois Emani à la percussion. Et voilà, merci beaucoup, merci à vous et merci One Acoustic, c'est toujours un plaisir. C'est notre deuxième émission avec One Acoustic, donc c'est formidable. Et que vous vous êtes encore déplacés pour venir jusqu'ici, c'est waouh, c'est magnifique. Donc, coup de chapeau à vous. One merci. C'était One Acoustic depuis Moscou. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission. À la prochaine. Au revoir. Ça va chauffer. Allons-y, on va danser. Come on. Je donnerai ma vie pour toi, pour que tout le monde le voit. Je remplirai ton cœur de joie, pour que tu le portes ce soir. La tienne est pour moi, la mienne est pour toi, éternel ton puissant. Mes rêves les plus fous se souvent sur toi, ou toi et rien que toi. Paris, on va s'enjailler ce soir. Paris, on va danser fort ce soir. Paris, on va s'enjailler ce soir. Paris, on va danser fort ce soir. Tout ça, le temps ne s'arrête pas, pour qu'on en soit nous deux. La piste est grande, il est nulle part, on est plus mieux. Alors prends-moi, lâche-toi, danse avec moi. Bouge encore, go. Paris, on va s'enjailler ce soir. Paris,
soir.